Bonjour tout le monde, c'est Nanou Scrap. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter un mini-album que j'ai réalisé avec un bloc papier de 15 par 15 chez Vero Moda dans la collection Under the Sea. Cet album fait 7,5 cm par 15 cm que j'ai fermé avec un ruban bleu turquoise. Pour la couverture, dans un premier temps, j'ai rajouté un support que j'ai ancré avec de l'encre Persa Magique et recouvert de Javel Drops. Dans un deuxième temps, j'ai découpé une petite étiquette que j'ai ancrée sur les bords avec l'encre Versa Magique. J'ai rajouté des petites roses de la collection Scramberries et Contentium. Et ainsi, j'ai rajouté quelques gouttes de chez Prima. Pour cette première page, j'ai découpé un toucan avec les dyes de chez Florilège que j'ai colorisé. J'ai tamponné un message avec les tampons Scraposphère, collé du masking tape et aussi quelques émeuleuses. La deuxième page, pareil, j'y ai collé du masking tape. J'ai fait des découpes, cette fois-ci avec des dyes de chez Simply Graphic, et tamponné un message avec toujours les mêmes tampons de chez Scraposphère. Idem pour cette page-là, j'ai juste tamponné un tampon de chez Scraposphère que j'ai colorisé. Ici, vous pouvez retrouver les petites bulles des dyes Simply Graphic et le petit poisson tamponné avec les tampons Scraposphère et colorisé ensuite. Le dyes Flamant Rose est de la collection Florilège de l'été dernier. J'ai rajouté quelques petites strass de chez Action. Pour cette page-ci, j'ai aussi utilisé les dyes de Simply Graphic et les tampons de Scraposphère. La petite tortue est un dyes de chez Marianne Design que j'ai colorisé. Les petits poissons sont de Simply Graphic et la pieuvre de chez Marianne Design. La toile de mer est un tampon que j'ai tamponné, découpé et colorisé. Cette dernière page est décorée avec un dyes lézard de chez Florilège, des strass de chez Action, des masking tape et un tamponnage avec les tampons Scraposphère que j'ai colorisé et collé. Voilà, la présentation de ce mini-album est enfin terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets comme d'habitude les informations du matériel en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser vos questions et puis je vous remercie encore de me suivre sur ma chaîne. Je vous fais des millions de bisous. À bientôt. Nanou Scrap.